talent, une grande raison et un sens du réel. Tels étaient les ingrédients choisis pour le créer. Mais bon, accidentellement, le hasard génétique, sans aucune forme d'éthique, ajoute à la dépression. C'est ainsi que naquit Philippe Sikatsky. Et il consacra sa vie à subir sa maladie. Ce seul générique de ma vie est énoncé par un moi fragile que j'aimerais défoncer. C'est beaucoup trop facile de dire condamné, comme si je pouvais pas être trompé sans canner. Je vais arrêter de me victimiser, affronter le bonheur sans être intimidé. J'ai tout en moi-même, je vais le fabriquer. Cette pute de déprime, je vais bien la niquer. Je plonge au fond de mon être afin de retrouver le monstre. Il est dit monde, il est dit monstre. Avant qu'il m'inonde avec mes larmes, je pense que si je lui tronche la tête, et là je pense que je m'en suis débarrassé beaucoup trop facilement. Mais très rapidement, peut-être réapparaît. C'est ce fils de pute de monstre m'envoie de la paresse. Je me sens faible, je demande l'aide de quelqu'un, mais personne ne me répond. Je suis seul au fond de moi, alors seul je reprends mes forces, et donc je m'efforce à faire des efforts. Je regarde le monstre avec un moral embêtant. En s'attaque, je ne dois surtout pas fléchir. Il est invincible, je crois, je me mets à réfléchir. Je comprends sous la tension qu'il ne veut que mon attention. En conclusion, le monstre est une illusion.